c'est GMGNO pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où ça s'arrête là. Le troisième épisode de ma vidéo. Je présente même maillot du Real Madrid. Ici, c'est un maillot du Real Madrid, ne vous en faites pas. Je vais vous le présenter, celui-là. Du coup, tout simplement, on va passer directement à la vidéo avec le premier maillot où ça, je l'ai déjà montré lors du premier épisode. Si vous n'avez pas vu le premier épisode ni le deuxième, n'hésitez pas à aller les voir, pardon. Du coup, le maillot là, je l'avais déjà présenté, mais je l'ai eu en une autre version. Du coup, je vais tout de suite vous le présenter. C'est tout simplement ce maillot, ceci, celui-là. Mais la différence des maillots précédents où j'avais les mêmes, ici, c'est une version, comme je vous ai dit, player. C'est-à-dire, regardez, version player, elle n'est pas brodée. Ici, il y a aussi finale Paris 2022. Il y a toujours le ticket, le truc. Ensuite, on voit, je sais pas si vous voyez, je pense pas, mais genre il y a des ronds, des gros ronds et tout. Du coup, ici, il y a encore les badges Ligue des Champions avec écrit numéro 13 et UEFA Foundation. Hop, ensuite, derrière, nous avons tout simplement foqué encore Karim Benzema. Et là, il y a le petit rond. Le petit rond ici, voilà, tout simplement. Et en vrai, ici aussi, regardez, genre il est plus long, c'est fait exprès, vu que c'est une version, c'est écrit ici, authentique licence product 2021-2022. Du coup, voilà, franchement, ce maillot, je trouve super beau, les gars, très clairement, je trouve magnifique. Ensuite, je vais le déposer juste ici, ouais, en vrai, non, on va faire ainsi. Hop, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous ne voyez pas, sinon ça va gâcher tout. Ensuite, deuxième maillot. Hop là, c'est celui que j'ai. Mais celui-là, il devient petit pour moi. C'est du taille S, ça c'est du taille M. Et ici, c'est aussi... là, c'est brodé. Par contre, c'est pas un maillot player. C'est brodé tout simplement. Regardez-moi ça. Ici, il y a les badges. Par contre, dites-vous que dehors, il fait 37 degrés. Alors, si vous voyez que j'ai chaud, c'est normal. 37 degrés en Belgique, est-ce que c'est normal? Non. Du coup, regardez les badges 13. Et là, respect. Voilà. Fantastique. Ensuite, de l'autre côté, le truc Ligue des Champions, comme je vous ai dit. Et derrière, j'avais floqué un joueur qu'il n'a pas porté beaucoup de fois. C'est Eden Hazard. Je me suis dit, il faut que j'ai un maillot au moins d'Eden Hazard au Real. J'étais obligé. Et voilà, je l'ai eu. Franchement, flocage parfait. Rien à dire, le maillot parfait aussi, rien à dire. Et voilà, en vrai, c'est aussi un maillot que je kiffe vraiment. Franchement, je le cache pas, je le kiffe aussi. Ensuite. Tac. On va mettre comme ça, hop. Voilà, on passe au troisième maillot qui n'est pas un maillot porté par les joueurs. Ça a été un maillot créé par FIFA et par Adidas, en gros, pour eSport déjà. Et en gros, c'était par rapport à FIFA console, etc. Oui. Du coup, c'est ce maillot-ci. Ce maillot-ci, regardez, c'est un logo player, vu qu'il n'y avait pas de logo brodé, vu que c'est que ça. Ensuite, ici, le logo Adidas, il est bizarre, genre... je sais pas si vous entendez. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à expliquer. Sur le côté ici, je pense, ouais. Ici, il y a un gros logo Adidas. Le Fly Emirates. En vrai, ça montre la nuit, genre comme si c'était la nuit et tout, vous voyez. Et derrière, je l'ai floqué, bien évidemment, le Nueve Karim Benzema numéro 9. Magnifique, en gros, le maillot. Je n'ai rien d'autre à dire, franchement. Très, très beau ce maillot. Je valide. Je valide fort, les gars. Du coup, hop. Pour les deux derniers maillots, je vais directement mettre ici. Voilà. Du coup, premier maillot qui est maillot d'il y a 2 ans. C'est un maillot aussi pas player. Même si c'est pas un truc brodé, c'est quand même pas un player. Franchement, très beau maillot. Qui c'est taille M, bien évidemment. Je prends du taille M maintenant. Franchement, très très beau. Je n'ai mis aucun flocage là-dessus. Je me suis dit, ça ne servirait... En vrai, pas ça ne servirait à rien, mais je n'avais aucune idée de qui mettre. Du coup, j'ai préféré rien mettre. Ensuite, on passe au dernier maillot que j'avais déjà montré
Non, une de mes vidéos précédentes, c'est celui-là. Mais je l'avais présenté, j'avais dit, ouais, il n'y a pas de flocage et tout. Mais en gros, j'ai racheté et là, il a un flocage. Genre, j'ai deux fois le même maillot, mais du coup, c'est la même chose. C'est la même chose ici aussi, le logo aussi. Mais là, la différence, c'est que j'ai eu le maillot floqué Sergio Ramos, qui est mon troisième ou quatrième maillot floqué Ramos, je sais plus. Je sais plus du tout, mais voilà. Du coup, maillot très propre encore. Très très propre. Mais voilà. Du coup, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Abonnez-vous sur YouTube, sur mon Insta qui est GMG-du-bas no-du-bas YTB. Et ma chaîne Twitch où ça je ferai des lives FIFA, des lives FIFA console, FIFA mobile. C'est GMG-du-bas NO. Tout simplement, GMG NO. Voilà. Du coup, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Je l'ai répété, mais c'est pas grave. C'était GMG NO. Allez, les gars, ciao. Peace.